Donc bonjour à tous, c'est Drakik, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour la partie 2 de mon apprentissage sur le TDIs. Donc n'hésite pas à regarder la partie 1, donc celle-là va durer moins longtemps que la partie 1 forcément. Donc je vais pas trop parler, on commence, donc du coup on reprend tout de suite. Dans la première partie, je vous rappelle que c'était la rotation qui me manquait, maintenant c'est la hauteur. Ma main, elle n'est pas assez grande. En plus, j'ai des petites mains, donc pour poser la main comme ça, ça va être dur. Et comme je vous l'ai dit dans la première partie, il faut que je pose la main avant le pied. Je crois que ça, je l'ai déjà fait. Là, je crois que vous avez vu un exemple, non? Où j'ai mis au ralenti que j'ai fait ça. Mais dans tous les cas, on continue ou on reprend, c'est pareil. Mais je sais pas comment les youtubeurs et les autres youtubeurs ils font pour ne pas dire à comprendre toutes les deux secondes. Donc c'est parti. Enfin on continue. Bon là les gars, je vais faire une petite pause et on reprend après. Donc à tout de suite. Bon les gars, c'est la fin de la vidéo parce que là les gars j'en peux plus. Là vous voyez, même dans la partie 1 je faisais des beaux trucs là. C'est vraiment compliqué parce que je sais pas, j'ai perdu, j'arrive plus à poser la main, j'ai mal aux jambes quand je réatterris. J'ai toujours mal aux jambes. Ça fait une semaine que j'ai pas fait de trekking en plus. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Enfin, j'espère que cette partie 2 vous aura plu et cette vidéo aussi. Et je vous retrouve à une nouvelle vidéo et aujourd'hui objectif 5 live comme dans l'autre partie, dans la première partie. Donc voilà, sur ce, ciao!